Salut à toi et bienvenue sur la chaîne d'Ordinaquoi. Aujourd'hui, une série de vidéos concernant les navigateurs web. J'organiserai cette série vidéo de la manière suivante. Chaque vidéo sera consacrée à un navigateur web. Je vais éclaircir deux notions clés. Beaucoup de gens confondent le navigateur web avec le moteur de recherche. Le navigateur web s'apparente plus à un logiciel qui va te servir à accéder à ton moteur de recherche. Je m'explique. Le navigateur web, en fait, c'est tout con. C'est juste l'interface, les onglets, la barre d'adresse, les favoris, les outils, etc. Les moteurs de recherche sont, par exemple, Google ici, mais il y a aussi Bing, qui est le moteur de recherche officiel de Microsoft. Mais il en existe une multitude. Ce que j'ai voulu t'expliquer en gros, c'est que c'est grâce à ton navigateur qui se connecte à ton moteur de recherche que tu peux naviguer sur Internet. Attention, ce qui différencie le plus les navigateurs Internet, c'est leur manière de mettre en page les sites Internet. Un site peut ne pas marcher sur Internet Explorer et très bien marcher sur Mozilla. Donc attention, il existe une multitude de navigateurs web. Tu en connais quelques-uns, comme par exemple Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Opera et Safari pour Apple. Celui-là, nous ne l'aborderons pas dans le cadre de nos vidéos. Voilà, j'espère que j'ai été clair dans ce petit point d'explication. Merci d'avoir regardé, c'était Ordinaquoi. N'hésitez pas à commenter, à partager et à vous abonner. Salut!